Après le démantèlement du M23 par les vaillants soldats des FARDC, c'est au tour des groupes armés congolais ou étrangers d'abdiquer ou d'être chassés de gré ou de force des localités qu'ils occupent. En Ituri, Cobra Matata et ses troupes doivent en tirer des leçons, et eux qui viennent d'être délogés de plusieurs localités aux encablures de Bounia. En séjour dans ces chefs-lieux du district de l'Ituri, le président de la République a rendu une visite de réconfort aux déplacés de la chefferie des rois Lindou Bindi. Visite appréciée à sa juste valeur par le chef Olivier Pekeliake de Walendou Bindi et ses administrés qui ont accueilli chaleureusement le chef de l'État. S'adressant aux filles et fils de cette communauté, le président de la République leur a demandé de regagner en toute quiétude leur village et de faire confiance aux FARDC qui en finiront avec Cobra Matata. Ce dernier n'est pas invulnérable et ne saura pas défier continuellement l'État, a dit le chef de l'État. Pia nimekuya kuwaona, nimekuya kuwapatia pole. Matatizo yenye mko nayo ya vita tunaiua, na tunataka hiyo vita imalizike. Tunataka msaidie jeshi yetu ili tumalize hiyo vita. Nataka nilikuwa naambia shefu hapa. Mwambie watoto wote wenye wako mpori watoke mpori. Hakuna sababu ya kupigana hii vita. Na vita ikiendelea ni nyie population yetu yenye itabakia matatizo. Mnataka kuendelea kuishi hapa? Hapana. Ninataka kabla ya mwisho ya hii mwaka kumalizika, mkuwe wote mmerudia kuma village yenu, kuma nyumba yenu. Na shie tutasaidia kufanya vile. Gouverneur nilisha kumwambia atasaidia kufanya vile. Na jeshi yetu itawasindikiza na kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu atakuja tena kuatake village. Kwa hiyo mwambie mavijana, mwenye iko na ndugu yake iko kule mpori, mwenye iko na muyomba iko kule, anamwambia atoke. Atoke, vinginevyo tutaendelea na vita na tutashinda. Cobra hawezi kushinda Kongo. Cobra Matata hawezi kushinda Kongo. Ila Kongo itamshinda. Kwa hiyo, hiyo ndo ujumbe na wapatia. Mupole sana na matatizo yenye mimi mwenyewe nimeona. Na tutasaidiana ili turudie na tuendelee na maisha yetu kwenye tunatoka. Sawa mama na baba, asante sana. Na Mungu awabariki. Toujours proche de la population avec laquelle il communue, le chef de l'État n'a pas manqué de visiter la case du chef de Walendou Bindi pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés.